Ok, Thierry, expliquez pour moi en français qu'est-ce que tu vas faire dans ce film. Moi, je vais essayer déjà de mettre mon cœur dans ce film, de partager, de parler un petit peu de notre culture, parce qu'on a une histoire, on a une culture, et grâce à toi, Dave, et à toute une équipe, on va pouvoir parler de nous. Déjà, ouais. Par la musique, Gypsy, mais du Gypsy, la rumba itana, la rumba catalane. On verra plutôt la vraie musique, parce que quand on parle de nous en musique, c'est peut-être ça, mais il y a autre chose à faire montrer. Et puis, pour la première fois, on va avoir des gitans qui vont jouer. On ne va plus être spectateurs, mais ils vont être acteurs du projet. Et c'est ça qui est bien, et des personnages vraiment fabuleux. Fabuleux, parce que si tu veux, nous on n'a pas besoin d'apprendre à jouer, on est acteur déjà, dès la naissance. Alors, on va jouer avec nos tripes, avec notre cœur, et faire le maximum d'apporter quelque chose à toute l'équipe, au film, à toi Dave. Bien sûr. Voilà, ça qui va, voilà, le petit détail qui va faire que le film, ben on va l'aimer, j'espère. Okay. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ça. I hope you understood that very well. Thierry was saying that we want to sort of show the culture, the gypsy culture and the gypsy life and everything there is in this time and in the world, in the gypsy culture, yeah. With the music and the sort of family life, we want to show that, and that's a part of the film. It's a part of the world of the film, but it's also about strangers coming into that world, and that's kind of, I guess, the dramatic tension and the fun of it. And anyway, we're talking too long. You probably didn't get to the end. If you did, well done. Thank you, and we'll see you soon. Bye bye. Au revoir. Au revoir et vive les gitanes. Vive la gitana.